Bonjour et bienvenue pour ce match. Je suis en compagnie de Franck Sauzet, bien sûr. Bonjour à tous et merci de nous inviter chez vous. Et pour ce match, vous retrouverez la Juventus face au Bayern. Tout le monde ne parle que de ce match depuis des jours. Nous y sommes donc enfin. Grosse affiche, une grosse ambiance dans les tribunes. On voit déjà toute la concentration sur le visage des joueurs. C'est un grand rendez-vous. Attention Franck, quand vous parlez de la Juventus de Turin, hein, vous vous adressez à une vieille dame. Hein. Oui, étrange surnom. Hein. Alors rien de péjoratif, simplement une forme de respect de ses supporters pour ce qu'ils considèrent comme une institution. Alors nous sommes dans le stade de la Juventus aujourd'hui. Oui, le Juventus Stadium, une enceinte de 41 000 places qui porte bien son nom. Bonjour, bienvenue sur notre antenne, je suis avec Franck Sauzet. Bonjour Franck. Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Et pour ce match, vous retrouverez la Juventus face au Bayern. Hermanès. Il va pouvoir centrer. Pereira. Oh, le tir. La Juventus qui marque. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait 1-0. Arturo Vidal. Il va devoir protéger son ballon. Pereira. Ouais, il fallait intervenir, c'est bien. La passe parfaitement dosée. Et le gardien qui plonge pour se saisir du ballon. Mi-temps, c'est la mi-temps ici. Léger avantage donc au moment de regagner les vestiaires, 1-0. 45 premières minutes, un petit peu décevante sur le plan du spectacle. Les joueurs ont eu du mal à se créer des occasions, c'est un petit peu resté au milieu de terrain. Et ce score reflète assez bien finalement la physionomie d'un match où tout le monde est resté prudent. Voilà, c'est reparti. Ballon dans les pieds des joueurs du Bayern qui ont donné le coup d'envoi. Un ballon qui revient dans les pieds du Bayern. Thiago. Philippe Lahm. Ouais, très bon tacle. Pereira. Ouais, bon tacle, mais c'est pas fini. Morata. Lewandowski qui est évidemment un buteur hors pair. Oui, il marque beaucoup. Hein. Il sait aussi se mettre au service de ses coéquipiers en attirant les défenseurs à lui. Et le ballon qui change de camp, magnifique. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible ce qu'il a fait là. Il a trompé son gardien alors que la fin du match approche. Oh, c'est terrible. Ah, il est très cruel, hein. Ce but contre son camp, ça va quand même leur donner un coup. Alors que l'arbitre siffle la fin de cette seconde période, et c'est toujours aussi indécis, il va falloir recourir à la prolongation. L'entraîneur qui va procéder à un double changement. Ah, il va falloir du jus, de la force mentale pour disputer cette prolongation. Ouais, bonne circulation du ballon. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. C'est terminé pour la première période de la prolongation. On va changer de côté.
Et on va voir de nouveaux visages sur la pelouse. L'entraîneur a décidé de faire un double changement. Les 15 dernières minutes de ce match avec des équipes marquées aussi bien psychologiquement que physiquement. Paul Pogba. Le joueur qui attend la décision de Monsieur Schoenberg. La Juve qui a choisi la frappe. On le sentait venir. Rien ne semblait pouvoir départager ces deux équipes. Avant, on tirait au sort. Et maintenant, on tire au but. Et le gardien qui est sur ce ballon. Oh ouais, quel arrêt, Hervé! Oh, il le rate, oh, c'est terrible! Ah ouais, peut-être un peu de nervosité. Oh, l'arrêt du gardien! Oh, c'est superbe! Oh, sur le poteau! Et ça rentre! Eh oui, le gardien est battu. Oh, il peut lever le point. Eh oui, il marque son tir au but. Et c'est dedans. Et en toute décontraction. Et c'est au fond. Oh, quelle petite balle piquée. Oh, il repousse le ballon. Et oui, il stoppe le tir. Tir au but décisif. Surtout, ne pas craquer. Oh, le gardien qui n'aura même pas eu à bouger. Et le gardien qui est battu. Et le tireur a su rester d'un calme olympien. Oh, il rate son tir au but, il le rate. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir maîtriser ses nerfs.